De soir, le coach des espoirs belges, monsieur de soir, qu'est-ce que vous avez pensé tout d'abord de la partie? D'abord, l'état du terrain ne nous favorisait pas du tout. Il y avait pas mal de chaumont sur ce terrain, donc c'était pas une pelouse parfaite comme on a l'occasion de. On espérait le voir ici en Angleterre. Bon, malgré ça, je pense que les garçons ont fait une bonne prestation. Bon, malheureusement, on a pris un but après une dizaine de minutes sur une erreur. On perd un ballon au milieu de terrain et cette erreur est mise à profit directement par l'Angleterre, qui nous a obligé à jouer un match poursuite le reste de la partie. Et voilà, on a eu des possibilités de but, on a eu pas mal de tirs au but. C'est simplement à deux matchs où on a plus frappé au but, malheureusement. Il n'y en a aucune qui a pu terminer sa course au front de filet. Bon, c'est le regret qu'on a sur ce match. Et puis, notre efficacité offensive n'a pas été suffisante pour espérer une grande plus. Et au niveau de nos deux représentants luxembourgeois, Guillaume François et Thomas Meunier, vous avez pensé quoi de leur prestation tous les deux, des premiers pas de Thomas? Guillaume, on le connaît, il a été son habitude, il a été très généreux, il a été dangereux maintenant, comme tout l'ensemble de l'équipe, il a manqué de précision, de justesse dans les derniers gestes, que ce soit dans les centres ou dans les frappes au but. Quant à Thomas Meunier, je pense que c'est l'occasion de rentrer, de s'intégrer dans l'équipe. C'est pas évident de rentrer dans des conditions pareilles, mais il y a quelques ballons qui a touché, il en a fait à bon usage. Mais je crois qu'il doit s'habituer au rythme plus élevé. Mais ça, c'est une question de temps et je ne doute pas que pour lui, ce sera un problème. Et une première comme capitaine pour Guillaume? Moi, je ne sais pas si c'est une première, je pense. Non. J'ai déjà été en Turquie, je pense, mais on sera de plus en plus dans l'équipe. Il était déjà venu avec nous dans la génération précédente. Donc, voilà. Comme une ligne de pause, les deux qui étaient déjà venus dans le championnat. Ça va. Merci beaucoup.